pourquoi on a été choisis, c'est-à-dire pour travailler. Et certainement pas prendre part au cliché romantique d'un bal entre jeunes. Ah, oui, il faudrait éviter ça. Je vais m'assurer que les lumières scintillantes scintillent, que le punch est assez frais et que le stand photo est bien décoré. Tu vois, Scratch, c'est purement platonique. Je m'assure que ça le reste. Vers toi, je suis tant attirée. Ça fait comme la gravité. Je me perds un peu, je crois. Je sais que ça n'a aucun sens, mais je veux que mes amis d'enfance me disent quand tu parles de moi. Il n'y a vraiment que toi qui fais battre mon cœur. Qu'ils essaient de nous séparer, je n'ai pas peur. Et ça m'est bien égal ce qu'ils peuvent penser de nous. Il est bon, c'était de Yuja. C'est dingue que t'en aies trouvé. Vous savez, je suis un homme plein de ressources. Vous voulez autre chose avant de remonter sur scène? Un bol de sundubu jjigae, ce serait vraiment parfait. Tu sais où trouver du sundubu aussi? Oh, est-ce que je le sais? Est-ce que je le sais? Oh, je suis épuisée, mais le bal est une vraie réussite. Je m'amuse beaucoup aussi. C'est trop génial! Est-ce que ça va enfin se faire? Quoi? Qu'est-ce qui va se faire? Vous deux? Non mais j'hallucine, c'est trop mignon. Il vous faut un nom de couple. Molly plus Oli égale... Molly! Mais c'est juste mon nom! J'ai compris. Et si on passait directement à la phase? Je te l'avais bien dit et qu'on en restait là pour ce soir. On n'est pas un couple! Molly a raison. En tant que co-organisateur, on doit s'assurer du bon fonctionnement de la soirée. Oh, mais tu es notre rêve! Je sais pas pourquoi ils pensent ça de nous. Oui, je sais. C'est dingue. Hein, on ferait mieux de s'en mettre au travail! C'est drôle, il me semblait avoir entendu quelqu'un pleurer. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à tes sourcils? J'ai pas le temps! Sauf si tu sais comment trouver une sculpture qui a la forme du premier rire d'un enfant! Oh non, elles veulent encore autre chose! Écoutez-moi tous, les Lynx. Il est temps de couronner notre roi et notre reine Lemming de la soirée. Et les nommés sont... Oh, je ne peux pas attendre plus longtemps! C'est Molly McGee et Oli Chen! Molly!